Hey, salutations à toi, c'est Jedi du Parlement et bienvenue à Expert Jeux numéro 97 sur le jeu Fort Solis sur PS5. On a peur du sang tranquillement pas vite. Bon, avant de débuter, je dois m'excuser. J'ai dit en fin de semaine passée que je t'assure de faire une vidéo sur Viewfinder ainsi que d'autres jeux, mais belle surprise, ma copine est venue me rendre visite pendant quelques jours, pendant mes vacances, donc ça a retardé le processus, mais pour une bonne cause, on va dire. Et puis, c'est ça. Donc, entre-temps, j'ai reçu le jeu Fort Solis, puis il n'a pas l'air très long, donc je préférais me lancer là-dedans, puis après, je vais faire Viewfinder. Mais c'est ça. Donc, c'est quoi ça, Fort Solis? Je sais pas si vous avez vu un peu la présentation, là. Pendant la Gamescom, il y a certain Troy Baker qui fait les voix là-dedans, donc vraiment intéressant. Monsieur Batman, en fait. Donc, c'est un jeu qui est développé par les studios indépendants Fallen Leaf et Black Drakkar Games, édité par Dear Villagers, puis eux autres prennent de plus en plus de place. Puis ça, c'est parfait parce que ils publient souvent des très bons jeux. C'est un jeu d'aventure à la troisième personne, c'est un jeu seul uniquement. C'est disponible depuis le 22 juin 2023. C'est plateforme PC et PS5. J'ai-tu dit 22 juin? Il me semble que c'est ça. Fort Solis, il me semble que c'est un. 6 juillet? Excusez, 22 août. Un petit peu d'impatience, les gars. J'ai mis comme 2 mois d'avance. C'est vrai, il vient juste de sortir le jeu. Donc, c'est sur PC PS5, version boîte PS5, si vous voulez vous le procurer. Et version téléchargeable sur PC, évidemment. Langue des dialogues en anglais, langue des menus sous-titres anglais et français. Bon, en fait, c'est quoi ça, l'histoire, en fait? Faut savoir une chose, OK? Fort Solis, ça se déroule sur 4 chapitres. Puis ça peut être fait en une fois, une session intense seulement, ou c'est divisé en chapitre par chapitre, comme une série télé, en fait. Donc, moi, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais commencer par un chapitre, on verra après. Donc, le scénario va comme suit. On répond à un appel d'urgence peu commun provenant d'une mine isolée. Donc, Jack arrive à Fort Solis, ça c'est moi, ou le personnage, en tout cas, bref. Celui que vous allez camper, finalement, qui arrive dans un lieu sombre et déserté. Donc, pressé par les avertissements de tempête imminente, je dois rentrer et tenter d'établir le contact sans trop d'espoir, malheureusement. Tandis que la nuit tombe, la situation dégénère et prend une tournure incontrôlable. Le mystère de la disparition de l'équipage s'éclaircit peu à peu, la tempête approche et empêche Jack de s'échapper. Donc, moi, je pourrais pas m'échapper. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tenir jusqu'au lever du soleil. Mélange de Dead Space, peut-être, avec du Deliver Us Mars, peut-être. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque pour vrai. Mais c'est un jeu de science-fiction. Puis j'adore les jeux de science-fiction. Donc on voit ce que ça va donner. J'ai aucune idée. Donc c'est parti. Bon, luminosité, ça c'est correct. Ah, ça m'énerve, là, pour vrai, là. Mode des graphismes. Bon. C'est quoi, ça, extra? OK, il y a des personnages à trouver, des objets de collection, puis des bribes de l'histoire avec des journaux audio. OK. Ça veut dire que j'adore l'exploration, donc je vais explorer dans ce jeu-là. Réglage, on vient de le faire, mais je vais aller voir si tout est parfait. OK. Bon, ça, on va le trouver avec la terre, c'est pas grave. Affichage. Ça, c'est parfait. Audio. Bon. On va baisser un peu la musique, c'est vraiment fort, hein. On s'entend pas parler. OK, donc c'est parti. Est-ce qu'il y a un niveau de difficulté? Je pense pas. Ça peut être un jeu très difficile à la base. Donc, voilà. On va sûrement avoir droit à une petite intro qui vient d'expliquer ce que je vous ai expliqué au départ et de la synopsis. OK, sauvegarde automatique, c'est bon. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle.
Mark Twain. So, you hated it? I wouldn't say hate. I wish he had done more. How could he possibly have done more if they were surrounded by zombies? Bon, des zombies encore. Regardless, I'm caught up now. So it's time for a new show. I believe it's your pick. I'm taking my time with this one. Just like that hole. It's looking a lot better since I got up here. Is that before or after you spent a week fixing it? These weather patterns are getting worse. Most of our jobs now are repairing weather damage. I really hadn't noticed. Then again, being stuck with you for cycle rotation is just as exciting. You could be worse. You could be stuck with... Là, faut comprendre que le contexte se déroule sur Mars, donc. Jack? You cut off then. What were you saying? The alarm at Solus is triggered. Solus? That relic? Manually initiated? I've never seen a manual one. Oh, to think you wanted to spend your last shift watching me do all the heavy lifting. Jess, I am on vacation the minute tomorrow's shuttle arrives. I'll contact them and see if it's a false alarm. Well, how do you expect them to reply without power? If they respond, then it's a false alarm. OMG, you're so smart. You see, this is why I should pick the shows from now on. Is this about the zombies? I wouldn't possibly have any idea what you mean. I knew it! Fort Solace. This is Jack Leary, senior engineer, responding to your alarm. Please come in. Jack Leary responding to Fort Solace alarm. You have everything okay over there? Anything? No. Weird. To trigger the alarm and not respond. It's a stone's throw from here. Why don't you check it out? People who use that expression don't normally apply that logic to Mars. That vacation can't come soon enough. I'm heading down now. We can take the LTV. I need to repair this hull before the storm gets worse. I think we have an hour or so before it hits. Okay. I can pick you up on the way back. Bon, c'est vrai que je vais prendre un petit véhicule pour aller faire une balade. Ah, ok. L'autre côté, bon. I've switched comms frequency, Jess. No problem. I'll finish up here, and then if you're not back in time, I can take the HTV. Roger that. Jack out. How many times do I have to tell you this isn't the military? Okay, it's fine. Roger that. Don't get lost. On va aller explorer un petit peu en attendant. Je vais voir si je peux peut-être avoir l'interaction avec d'autres items ou d'autres pièces peut-être que je peux aller. Bon, ici je peux vraiment pas y aller, là non plus. Bon, je pense que j'ai pas le choix, faut que j'aille au véhicule là-bas. Ah, c'est bon ça, il y a des séquences vidéo, audio, messages, cartes. Ah! Ok. Là, ce que je me demande, c'est que... Est-ce que je peux courir? Mouvement...
Ça a pas l'air. Ok. On va continuer ça. Tu sais, je m'attends pas à un graphiste de fou non plus, ça reste un jeu dépendant, mais l'histoire peut être très bonne par contre. Mais c'est sûr que d'un autre côté, tu sais, je me dis, crime, les jeux qui se sont passés sur Mars, enfin comme ça, ça a plutôt bien tourné, il n'y en a pas des masses. Donc, ça va probablement être encore un jeu, ça va être du négativiste, dans le style où ça va mal tourner, tout ça, parce que c'est souvent ça, les jeux qui se passent en dehors de la Terre, ça se passe pratiquement toujours mal, donc. Ok, je vais aller à Solis. Keep an eye on that storm. I doubt it'll pass me by unnoticed. Just Deliver the Moon, Deliver Us Mars, Dead Space, The Callisto Protocol, c'est tous des jeux qui se passent à l'extérieur de la Terre et se déroulent pas vraiment très bien. Ça, par contre, j'aurais aimé ça conduire le véhicule au lieu d'être témoin de ce qui se passe présentement. Là. Je comprends que c'est le générique qui déroule, mais quand même, en tout cas. Retenez ce nom-là, si vous voyez à l'écran, Dear Villagers, il publie de plus en plus de très bons jeux. De plus en plus connus d'ailleurs. À la date, c'est joli quand même. La fumée, les particules. Je contrôle absolument rien, ça se fait automatiquement. Ça, je trouve ça un peu dommage par contre. D'avoir quel rôle que Troy Baker va avoir dans le jeu. Parce que c'est pas le premier nommé, donc. Puis c'est pas lui qu'on joue. Solis? Jack Leary here. Entering your perimeter. Do you copy? Solis is locked down. Well, there goes your power theory. Why would it be in lockdown? System damage? Dare I suggest more weather damage? Yeah, maybe, but lockdown seems extreme. Is there no sign of security? No, they must be done for the night. Storm's picking up here. How about over there? Full swing here, so I've hopped in the HTV to keep me company. Lovely. It was that or nap the storm out. I'm flattered. And I can't nap with that noise, so you're happy. Chairman, listen, I'm gonna head to the atrium. Make contact there. Okay. C'est-tu moi, il me semble que le personnage de face comme ça, là, il ressemble à Iron Man de Marvel. Là. Robert Downey Jr. qui joue son rôle, il me semble qu'il ressemble pas mal. En tout cas, bref. Ok, là, faut que j'aille par où? Je peux-tu comme grimper? Non, en tout cas, il y a un escalier. Ah, là-bas. Ok, parfait. Ça me l'indique.
Donc là, je peux pas rien en faire. Fait qu'il faut que j'aille vraiment au point blanc. Au cercle blanc, ça veut dire. Bon. Pardon, je parle de Robert Downey Jr. Là, je parle de Tony Stark. Monsieur richissime. Homme d'affaires qui a réussi. Bon, ça va très bien. OK. Ben, je vais continuer, je vais aller face à moi, je vais grimper l'escalier. Peut-être qu'en haut, je vais peut-être avoir une place pour rentrer, peut-être un mécanisme. Je m'attends pas à avoir des ennemis comme dans Dead Space ou Castle Protocol, par contre, là. Je veux dire... Deliver Us the Moon puis Deliver Us Mars, ça allait très bien comme jeu puis il n'y a pas vraiment d'ennemis là. Nope. I've had this on way too long. Ok. Donc là, il ouais, me demande de descendre là. Je retourne là. Ah! On va faire ce qu'il demande. Ok, ça va monter vers le haut. Il y a comme une échelle. Ok. Looks like I'm climbing for now. Here we. Well, the lift's out and the storm's on its way. Roger. Over and out. Oh, who's a cool kid? Seriously though, make sure you're wired in. Weather's in full swing here. No idea why I even tried to repair the hull. Ben là, je clique sur la R. Bon. Ok, fait que ça va être beaucoup de. Quick time event, si vous préférez. Ok, là je vais. Ok, fait que c'est vraiment. Ok, il se fait ça automatique ou je le fais. Ok, fait une fois c'est écrit, donc tu continues. Alors c'est des événements contextuels que je voulais dire là. Pour les quick time events là, mais. Ok, donc faut que tu sois rapide quand même. Sois très attentif. How are you getting on? It's been a while since I was out in a storm. It still hurts. Weather resistance suits my ass. I'll take that as a hard yes then. Ok, là je l'ai eu. This place really is a relic. Got to be kidding. What? You wouldn't believe me if I told you. Ok, faut que je me donne un élan, là, c'est ça? Ah, c'est pas évident, faut que tu le fasses dès qu'il apparaît, là. T'as même pas une milliseconde pour qu'on pense que t'as à faire, là. Hey, tu le gosses, là. Hey, voyons donc. Ça n'a pas de sens, t'as même pas le temps de réaction. Faut que tu le saches quasiment par cœur. C'est ridicule ça. Au vrai, là, ça, je déteste ça. Hey, voyons donc.
Bon, désolé, ça a été long, mais les contrôles, c'est pas évident, là. Ils te laissent pratiquement même pas une demi-seconde pour comprendre. Time to quit beer? More like climbing. Bon, on continue. Next time, I'm just cutting the door. You had your tools and chose to climb. Yes. Been a long day. Okay. Bon, chapitre 1. I'll head over to the atrium, see if anyone's home. Nothing on local cops? No. Paint the picture for me? What, of Solis? It's old school. Still got single structures. You should feel right at home then. It certainly doesn't look welcoming. I'm saying nothing. Ben là, si c'était verrouillé en bas, pourquoi qu'en haut ça serait pas verrouillé? Quand c'est rouge comme ça d'habitude, là, pas bon signe. Strange. The lock overrides are still on. It's not strange. It's protocol when a lockdown is triggered. Ah, ok. Pas plus compliqué que ça. Mais pourquoi j'ai pas pu faire ça en bas de bord, je peux le faire en haut. Oxygen reserves are still active. Well, the backup generator maintains oxygen levels. Did you think they just powered the light? Well, not anymore. Bah. Regardez s'il n'y a pas des trucs dans les casiers. Ok, je peux aller là. J'arrive de là. Oh, ils ont fait pousser un arbre, c'est cool. Just went local. Please tell me you didn't remove your helmet. Oh, you know I don't like to wear it all the time. I can't believe you actually removed it on site. Oxygen levels are stable. It's not natural to wear it that long. Are we gonna pretend you're wearing yours? I knew it. I'm not the one responding to a lockdown alert. I'll be fine. The backup generators power more than just the lights, you know. At least it's sinking in. Elle a raison, moi je l'aurais gardé, mais en tout cas, si jamais elle commence à avoir mal tourné. Là. Ok. Ouais, pourquoi pas une petite bière? Drinking on the job? Nothing wrong with staying hydrated out here. We both know that wasn't water. You're not the one walking around in the dark. Oh, ça c'est sûr que ça va être fermé.
je pense que je vais aller en haut. Ah, c'est vrai que le rythme du jeu il est très lent. C'est pas le meilleur jeu à faire sur Twitch, mais d'un autre côté, moi, mon principal but, dans le fond, avec ma chaîne Twitch, c'est de faire découvrir des jeux. Donc, ça se peut que les jeux soient mauvais, ça se peut que les jeux soient bons. Oh, on sait pas. Is that directed at me? They still use I5 nodes here. Really? Yeah, I'm looking at one now. I'm gonna hold on to it. Bon, j'ai trouvé un petit quelque chose. Je sais pas trop à quoi ça me servait, mais bon. Ouais, j'ai quasiment cru que c'est Star Wars qui était écrit, mais c'est Star Walk. Oh, Star Walk's in full swing here too. They are amazing. People back home just can't imagine it. A star is a star. What's the big deal? This is why I go with Karen. Ben. Ça va ouvrir quoi? Hell of a storm on the way. Ok, ça va protéger les vitres de la tempête qui s'en vient, qui est presque déjà là. Ok. Bon, je pense que j'ai fait le tour en haut. Regardez pour être sûr, il n'y a plus rien là, plus rien là. Ok, bon. Peut-être que la petite boîte que j'ai dans mes poches, ça va me permettre d'ouvrir les portes qui sont verrouillées. Je sais pas, je suis ça comme ça. Là. Well, this is spooky. Why? The place is lifeless. Are you sure you're at the right place? I mean, I think so. Maybe best to grab the schematics. Just to confirm, I can access the site files from here. Good idea. Oh, oh, oh. Okay, ça c'est quoi? Fort Solace 2053. Even this tree makes me feel old. 2053? It's almost as old as me. Hard to think we've been up here that long. Non, ça c'est quoi? C'est la carte. Ok. Bon, ça a pas été. Ça a pas été traduit. Ok, je suis posé de faire quoi là-dessus? Là? Trois nouveaux messages. Ok. Message manque un A. I may be running late, but I can assure you it's not because I lost track of time decorating my helmet. Call signs matter. I had a thought about one for you. Ready? A bear. It matches your mood. See you down there in five. I know you said this isn't the format for it, but you never answer your phone. I'm in the canteen. I already know the answer to this, but do you want me to bring a beer up to the rec? I'm grabbing a snack. Let me know. Maybe even record a log back. Wouldn't that be fun? Bon, ok. Ah, la carte c'est bien beau, mais le but c'est de fouiller partout, non?
Non, fait que la petite boîte que j'ai ramassée, ça sert à rien pour l'instant. Là, mon casque est là, fait que faut que j'aille par là. Ok, faut que j'aille dans la chambre de conférence. Ben, dans la pièce de conférence plutôt. Ah, ok, c'est à ça que ça sert. The I-5! No, be careful handling those. They were replaced for a reason. Comment ça va aller à la gauche? Construire un futur plus brillant. Ok, ça va de soi. Je veux pas finir casé? Non. Si je m'approche, mettons. Non, je peux pas. Ok. Ah, oh, ici, il y a un petit quelque chose. Ok. Attaque de dé. Yeah, it would be rude not to. Il y avait comme une. Je sais pas si c'est une carte mémoire qu'il y avait à l'arrière, mais. Ouais, je pensais ça. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my boo. Happy birthday to you. Aww, how cute. Try hard. This is why you're divorced. I'm sure Patricia wouldn't list that as the only reason. Bon, ça. J'imagine qu'en récoltant ces petites bribes d'informations-là, ça va créer l'histoire en avançant tranquillement, pas vite. I haven't seen one of these in years. Et calvasse, un abac qu'on appelait ça quand j'étais jeune, là. On apprenait à compter la source au primaire. Wow! Hey, ça fait longtemps, ça. Ok, mais c'est juste ça, dans le fond, il n'y a rien d'autre à faire. Je fais juste m'amuser avec ça. Bon, ok, c'est correct. Compris le concept. Je veux juste deux petites secondes parce qu'il me semble que c'est ça un abac. Mais je m'en souviens plus si c'était ça le mot. Ah oh, ouais, c'est ça, abac. Tablette formelle participante, je sais, mais c'est un boulier dans le fond, c'est ça. Mais nous, au primaire, on appelait ça un abac. Ouais, dispositif muni de plusieurs rangs de pièces mobiles utilisées pour les calculs arithmétiques. Et bon, je pensais pas de revoir ça dans ma vie, moi, de vivant. Ça fait tellement longtemps, là. What could it be? Protégé par un mot de passe, veuillez entrer le mode de 4 chiffres. Le code à 4 chiffres. Ok, fait que ça, il faut que je trouve un code. Ok, on va regarder s'il n'y a pas des chiffres à quelque part. Comme genre ici. 0807, Mom's Birthday. Peut-être c'est ça. It's worth a try. On va essayer ça. 0807. Bingo! Voilà, c'était bien trop facile, là. And I thought I was old. You are old. No one has said bingo since 2030. Ok, donc, ici, t'as Adam Hoskins, Terra Santé, Claire Smith, puis Oscar Richardson. On va commencer par Hoskins. Bon. Ok. Donc, ce qu'il dit, c'est utiliser les ordinateurs, dévoiler les portes. Hein? Ok, intéressant. Bon, Terra Santé. Hein? À date, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Bon, document maintenant. Système. Bon.
Ça va actuellement hors ligne. Surveillance. Ça, c'est les caméras. Caméra extérieure. Contour. Ah! Okay. That'll help me access the lower levels. Voilà. Ok. Donc la porte est déverrouillée. Ok, bon. C'est sûr que si on prend un jeu comme Call of Duty, tu compares ça à ça, c'est sûr que ça manque d'action. Mais c'est pas parce que c'est pas un jeu qui a full action tout ça qui peut pas être intéressant pour autant. Je veux dire, rendu là, faut juste que t'aies fixé une très bonne histoire. Puis le reste, ça va couler. À la date, oh, un cube Rubik, tabarouette, ok. How do people solve this? Ouais, t'es sérieux, faut que je réussisse à faire le cube Rubik, là. Je suis sûr qu'il va y avoir un succès par rapport à ça. À moins que. Ah, c'est ça, ok. Hey, ça peut être longtemps, par exemple, là. Ok, je passerai pas 3 heures là-dessus. Là. Mais je suis sûr qu'il y a un succès qui a rapport à ça. Bon, de l'autre côté, il n'y avait rien d'autre, c'est juste un coffre. Ok. Bon, fait que là, il me reste la grande pièce ici à aller visiter. Ça, c'est la chambre, la salle de conférence. We spend most of our time alone fixing sites in space. Never alone with a phone. Ah, quelle bouteille d'eau ici. You could do a lot worse. Oh, il y a une vidéo. Terra Find Us. Regardez la vidéo. Et tout? Ok, bon. Oh, wow. Look at that little guy go. How's the search going? It's ongoing. Yeah, sounds it. Frontier Submit 2065. Bon, c'est pas tout là, mais faudrait peut-être que je descende à la pièce que je viens de déverrouiller. C'est ça l'affaire dans le jeu, c'est je ne sais pas s'il faut que je m'attende à des ennemis du combat. Où il n'y a absolument rien de ça. Ah, il y a des nouveaux messages. Donc ça, je l'avais vu, me semble. Ça, je suis allé là. Donc là, il faudrait peut-être que c'est quoi, j'aille à Vestiaire à bas, cage d'escalier. Je vais voir. En tout cas, c'est en face de moi, me semble.
Ça, c'est mon casque, j'arrive de là. C'est laquelle pièce que j'ai déverrouillée, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment. On va faire manuellement. Still no sign of anyone. What could they be? Maybe they are cursed to forever walk the surface of Mars, feeding on brains. Are we back on this? I'm just saying, his sacrifice was heroic. I'm glad to see chivalry isn't dead. Yeah, but he did die. How romantic. Eh oui. Elle revient pas de ses zombies, elle. Fait que l'ascenseur fonctionne pas, faut que je descende. À pied, finalement. Petite marche de santé. Level 3, access required. Bon, ok. On va essayer de voir si ça fonctionne à partir de là. Non. Faut que j'aille en face, c'est la seule porte qui est ouverte. Ok. Marchandises. Benny thinks someone is on to us. Yeah, he dropped me a message saying he told them it was you. What? yeah, if only they knew. I can barely use it with credits. It's the perfect crime. Indeed. Non, je peux rien faire avec ça. Ça, ça me prend une carte. Ok. Bon, on fait un petit peu d'entraînement. Bon, ça vient de me donner un trophée. À part ça, ça sert pas à grand chose. T'es sérieux là? Ça va faire du... c'est quoi ça? Du tapis roulant? In my youth... Were we even up here back then? Bon. Door locked. Quelle surprise. Bon, ça, c'est fermé. J'arrive de là. Ouais. Ok, ben je vais descendre encore plus bas. À l'étage B.
ça c'est ouvert, ça c'est fermé. Ça, ça prend une carte encore. That's odd. What is? The door, it's been sabotaged. Sabotaged? Something snapped the manual lever off. Something? Stop it, you know what I mean. Pas bon signe, ça. Why would someone remove the power supply? From the door? Yeah. I'm gonna look around, see if I can find another I-5. Be careful. I think something is off here. No shit. Bon, ça me prend encore une unité 5 pour mettre ça là. Ça, c'est barré. C'est barré. Faut que je descende encore. Oh, il y a une trappe ici. Oh, ça n'a pas quelque chose là. Nope. Je suis dessus, pourquoi je peux pas l'ouvrir? Elle est où? C'est bizarre ça. Je suis directement dessus. Prends-tu quelque chose pour l'ouvrir? Non, je peux rien faire là. Ça, c'est bizarre. Level 3, access required. Lockdown in effect. Bon, à moins que j'aille chercher mon unité en haut, je la redescends. Je vais la mettre là-dedans, peut-être. Sérieux, si vous pouvez sprinter, ce serait un petit peu meilleur. Là. Ça, c'est lent de chez lent. Là. Non, ça je peux pas aller là. Oh, je t'ai pas venu ici, moi. Chambre de divertissement. Ok. T'as trouvé quelque chose d'intéressant ici. I'd never get out of that with my back. Bon. Dead man's hand, that's all I need. Remember that time you hit a 7-ball on Chris? He lost his mind. I think it was long gone before that. Yeah. Too many solo jobs out here. You found a table. Je veux vraiment jouer bien. Oh! Still got it. It must go for a walk when we play. Oh, in my Boston heyday, I could have given you a game. Sure.
Ouais. On va dire qu'il y a quelqu'un qui tient ou qui est en arrière du rideau, je sais pas trop. Ça, c'est bizarre. Ah, ok, c'est le petit bonhomme qui est là. Ok. At least Solar had a more engaging premise. Dead Solar. Yeah. It was just an idiot clearly searching a haunted station. I just heard it. Huh. For the record, I'm not searching. I'm investigating. Bon. Monsieur, il cherche pas, il enquête dans la vie, lui, hein? Il se prend pas pour un 7-up, lui? Bon, mais ça m'a pas donné grand chose d'amener l'eau non plus. Absolument rien d'intéressant. Bon, ça c'est barré. I think this is the only time I've ever seen a rec room empty. You finally have that peace and quiet you always wanted. Not quite how I imagined it. Still no sign of anyone. Not a soul. There should at least be an officer around. Yeah, I'll keep looking. Okay, I'll try and access the records from here. See who the officer on duty is. Okay. Hello? Made contact? Maybe with the shadow of a fridge. I think you may have been up here too long. Ça, c'est la cantine, mais y'a rien. Salle d'entrepôtage. Peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Hey, guess what I found? Am I actually supposed to guess? Well, you remember when we first came up here? Before they started arguing over the territory? Yeah. They still have one of those old Earth Force flags. Earth what? Well, not that. I think it was called Earth Expedition Force. It wasn't that either, but yeah, I know what you mean. Well, they still have theirs. Where did you find that? In a supply room. Why are you in a supply room? I miss peanut butter. I took a chance. Priorities. non, je t'ai arrivé de ce bord-là, faut que j'aille par là. Ah, oh, come on! What are you doing? I'm resetting the lock. I'll pretend I didn't hear that. What if someone's hurt? It's justified. That's not how it works at all, but... Okay. The most logical place for them to be is their quarters. Bon. Ok, on a réussi à contourner la sécurité. Looks cozy. Et je vais m'arrêter ici, ça fait une heure, là, donc presque. Ouais. Bon, tu sais, comme on dit, il se passe pas grand chose. On est loin de l'ambiance que j'ai vécue dans les deux Deliver Us the Moon puis Deliver Us Mars, honnêtement. C'est vraiment pas pareil. À date, il se passe rien de chez rien. Je suis un petit peu ambigu, je sais pas quoi dire, honnêtement. Je m'attendais peut-être à plus d'action, je sais pas trop quoi, mais. C'est ça. Un peu déçu pour vrai. Mais bon, je vais continuer puis je vais vous en reparler dans ma critique à venir puis dans un podcast subséquent qui s'en vient prochainement, j'imagine. Peut-être une semaine, peut-être deux max. Donc, c'est ça. Fait que c'était Jedi Zone pour Expérager numéro 97 sur le jeu Fort Solis sur PS5. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch à Jedi du Nord, sur notre site factorgeek.com, sur notre chaîne YouTube Factor Geek.
Faites envoyer un commentaire, une suggestion au Facteur Geek en commercial gmail.com. Sinon, ben, il y a le Facebook, le Twitter de Facteur Geek. Ah, excusez. Pas Twitter, X. Calvasse de nos lettres. Puis il y a mon X à moi aussi, Jedi du Nord, si vous voulez me jaser un petit peu, je réponds toujours. Puis il y a notre podcast aussi, l'Assemblée Vidéoludique, que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement et d'écoute de podcast, ainsi que en version vidéo sur notre chaîne Twitch et sur le site FacteurGeek.com, qui va avoir un petit article, évidemment, et sur notre chaîne aussi YouTube à FacteurGeek. Voilà. Donc, en terminant, un peu déçu de tout ça, mais bon. Je vais le continuer, puis je vais vous en donner une nouvelle là-dessus. Donc, c'est tout pour moi. Donc, continuez à bien jouer, continuez à vous amuser, et on se donne rendez-vous une prochaine. Au revoir!